Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et on se retrouve ce lundi pour une grosse semaine de football avec bien sûr au programme de la vidéo du jour la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Alors j'espère que vous avez pu voir la vidéo Ligue 1 de ce week-end, ça s'est pas trop mal passé puisqu'on fait 8 sur 10 sur la vidéo. Et que le combi doublement de mise que je vous avais proposé, la victoire de Monaco plus la victoire de Rennes, est passé donc week-end encore plutôt sympa. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne Rue des Joueurs, bah, c'est le moment de vous abonner. Si c'est la première vidéo que vous voyez, vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous allez pouvoir recevoir comme ça toutes mes vidéos de pronos. Il y en a toutes les semaines, plusieurs par semaine, énormément par semaine. Donc pour tous les fans de foot, ça devrait vous plaire. Alors, avant de parler du match, je vais vous proposer, comme toujours, un bonus pour parier sur ce PSG-Manchester City. Donc, on va mettre, je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense, un match très compliqué à pronostiquer. J'ai eu un peu de mal à me décider, donc c'est pour ça, parier en utilisant un bonus d'inscription, ça peut être intéressant. Et cette semaine, j'ai choisi Parion Sport en ligne, donc un bonus de 150 euros offert. On en reparle tout à l'heure quand je vais vous donner mes pronos. Alors, passons maintenant au match PSG-Manchester City, demi-finale de Ligue des Champions. Et on commence en premier lieu par les enjeux du match. Alors, le PSG est en demi-finale de cette Ligue des Champions après avoir éliminé le Barça et le Bayern Munich. Et ils font maintenant face à un nouveau défi, le Manchester City de Pep Guardiola. Alors j'ai envie de dire, l'enjeu il est assez évident, c'est de faire un pas vers la finale de la Ligue des Champions et pour les Parisiens de se qualifier pour la deuxième année de suite. Alors deuxième point, regardons maintenant un petit peu l'état de forme des deux équipes. Alors première remarque, pour la première fois depuis le début de cette phase à élimination directe en Ligue des Champions, le PSG va recevoir au match aller. Jusque-là, le PSG, chaque fois, a fait la différence au match aller, mais à l'extérieur, ils ont gagné 4-1 à Barcelone et 3-2 à Munich. Par contre, si on regarde, ça a été plus dur au parc avec un match nul 1 partout contre le Barça et une défaite 1-0 contre le Bayern. Alors, si on regarde un petit peu en dehors de la Ligue des Champions, donc Paris qui assure également sur le plan domestique, puisque depuis la défaite contre Lille en championnat, au retour de la trêve internationale, le PSG a remporté ses trois derniers matchs en Ligue 1. Ils ont battu Strasbourg, Saint-Etienne et Metz. Le tout en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Angers la semaine dernière 5-0, si je ne dis pas de bêtises. Toutefois, il faudra quand même batailler pour les Parisiens pour conserver le titre de champion de France, puisque Lille, hier soir, à la faveur de sa belle victoire 3-2 à Lyon, a toujours un point d'avance en tête du championnat. Si on regarde City, donc City à l'inverse qui est déjà presque champion en Angleterre, 10 points d'avance sur United, une équipe des Red Devils qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre Leeds ce week-end. Alors City qui a sans doute eu un parcours un petit peu plus facile que les Parisiens en Coupe d'Europe, ils ont éliminé Gladbach et Dortmund, même si on a pu voir que ça n'avait pas forcément été si facile que ça contre le Borussia. Sur la forme du week-end, City qui a remporté la Coupe de la Ligue anglaise ce dimanche, ils ont battu Tottenham 1-0, donc City malgré tout un tout petit peu moins bien qu'en début d'année 2021. Quelques défaites à noter dans le derby contre United, contre Leeds ou contre Chelsea en Cup où ils avaient perdu 1-0. Alors regardons maintenant un petit peu les compositions, les effectifs de part et d'autre. Côté parisien, on espère le retour de Marquinhos. On a également Verratti qui semble sur la montante depuis son retour du Covid. Donc ça, c'est les nouvelles côté parisien. Et de son côté, City qui devrait être complet avec les retours de Kun Agüero et de Kevin De Bruyne. Alors, passons maintenant à mes pronos, donc quelques éléments d'analyse.
Je l'ai dit, on a le PSG qui a quand même souffert à domicile cette saison. Si on regarde en Ligue 1, dans les gros matchs, ils ont perdu contre l'OM, contre Lyon, contre Monaco et contre Lille. Et en Ligue des Champions, c'est défaite contre Manchester United, nul contre le Barça et défaite contre le Bayern. Donc au final, dans ce que j'appelle entre guillemets les gros matchs, on a un seul match référence cette saison à domicile. C'était en phase de poule, c'est une victoire contre Leipzig 1-0 et on se rappelle que ça n'avait pas été aussi facile que ça. À l'inverse, on a une équipe de City qui a été solide à l'extérieur, seulement deux défaites sur toute la saison. C'était à Tottenham en première partie de saison, à une époque où les hommes de José Mourinho étaient très solides, très efficaces. Et récemment, contre Chelsea en Cup, ça s'est passé du côté de Wembley. Alors, je le répète, match très compliqué à pronostiquer quand on sait que City, ces dernières années, peut parfois déjouer en Ligue des Champions. Paradoxalement, je pense que le PSG aura peut-être plus de chances d'aller chercher sa qualification pour la finale au match retour. Et on a aussi tendance à oublier quelque chose, c'est que la défense de City a été hyper solide jusque-là en Ligue des Champions et qu'on aura peut-être un match avec pas tant de buts que ça. Alors, s'il faut traduire tout ça en pronos, je vais commencer par la double chance en faveur de Manchester City, donc Paris qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment solide au parc pour partir sur eux. Donc, double chance nul ou City, c'est à 1,32. Et sur ce match, je vous l'ai dit, j'attends pas forcément tant de buts que ça, donc je vais partir sur un under moins de 3,5 buts à 1,35. C'est passé systématiquement dans les gros matchs de Paris à la maison que j'ai évoqué plus tôt dans cette vidéo. J'ai même envie de dire que le moins de 2,5 buts peut être intéressant, mais on va assurer, je vais partir sur le moins de 3,5 à 1,35. Alors, je vais quand même me mouiller un petit peu plus que vous donner deux cotes à 1,30. Il faut choisir, j'ai quand même longuement hésité entre le nul ou la victoire de City. Je vais tenter le coup, je vais partir sur une victoire de Manchester City à 2,15. Et un pari qui me semble assez intéressant dans ces circonstances-là, c'est la victoire de City d'un but exactement. C'est une cote à 3,50. Donc c'est peut-être plus intéressant parce que quand vous faites des scores exacts multi-choix, on n'a pas le 1-0 ou le 2-1 souvent. Donc c'est pour ça que cette cote City d'un but à 3,50, je la trouve plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera mes 4 pronos sur ce PSG City. Alors comme je vous l'ai dit, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur Parions Sport en ligne. Un bonus très intéressant jusqu'à 150 € offerts. Donc typiquement, si la victoire de City vous tente, vous pouvez poser vos 150 € sur la cote à 2,15 et si jamais ça venait à passer, vous remportez 322 €. Alors par contre, si ça ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. À mon avis, il y a pas mal d'incertitudes sur ce match, donc il y en a qui seront d'accord avec moi, d'autres qui seront un peu moins d'accord. N'hésitez pas à partager vos pronos et vos analyses avec moi dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, si le 8 sur 10 en Ligue 1 du week-end vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet d'aider la chaîne au maximum. Donc voilà, première vidéo de la semaine, PSG City. On se retrouve très vite, même dans la journée, puisque je vais sortir une seconde vidéo sur le match Real de Madrid-Chelsea. Donc je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!